Depuis le 4 avril dernier, la famille princière de Monaco s'est agrandie. Marie Chevalier Ducruet, la compagne de Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco, a accouché d'une petite fille dont le prénom fut un temps un mystère. Ce nouveau petit bonheur comble la famille, en particulier la grand-mère du bébé qui rêvait de le devenir enfin. Comme les nombreux followers de sa belle-fille, elle doit suivre avec attention les activités de sa récente petite-fille, documentées par sa maman sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 12 avril, c'est en story Instagram que Marie Chevalier Ducruet a révélé le programme de la journée pour sa petite famille. En compagnie de Victoire, de leur chien Pancake et de son époux, la nouvelle mère de famille a partagé un paysage près du rivage de Monaco, où le couple est allé balader pour profiter de l'air frais marin et des environs tandis que Victoire reprend doucement des forces en dormant à point fermé dans sa poussette sous le regard bienveillant de ses parents. Un joli instant de vie qui doit rappeler à la princesse Stéphanie de Monaco, mais aussi plus largement à tous les parents, le bonheur des premières sorties avec bébé lorsqu'on devient un jeune parent. Stéphanie de Monaco, retour sur son évolution physique et Stéphanie de Monaco, son planning partagé entre ses obligations et sa petite fille. Alors qu'elle a récemment rendu hommage à son père, le prince régné 3 de Monaco, la princesse Stéphanie est également en charge des célébrations du centenaire de la naissance de celui-ci, organisées tout au long de l'année 2023 au sein du Rocher et ailleurs. Au programme, l'organisation à partir du 31 mai prochain, jour de l'anniversaire du monarque, de plusieurs festivités avec notamment le jour même une grande fête populaire dédiée au Monégasque, mais aussi d'autres événements comme un concert, un bal ou encore une exposition qui auront lieu plus tard dans l'année. Cette activité d'organisation, la princesse Stéphanie de Monaco va devoir la conjuguer avec celle de grand-mère, elle qui avait mis la pression à son fils pour qu'il agrandisse la famille, comme il l'avait révélé il y a quelques mois auprès de nos confrères de Point de Vue, en 2022. Désormais, celle qui souhaiterait que sa petite fille l'appelle par un surnom bien précis va devoir assumer. Crédit photo, Claudia Albuquerque.